Hello there. Star Wars. Quand j'étais enfant dans les années 90, la trilogie originale était culte depuis longtemps. Quand j'y repense, étant né 6 ans après la fin de la saga, cela fait correspondre mon premier visionnage à plus d'une décennie après la mort de Dark Vador. Si j'ai parfois eu tendance à classer mes films favoris, j'ai toujours placé Star Wars sur une échelle à part. Je fais partie de ces grands enfants qui gardent au chaud dans une boîte en plastique mes micro-machines de l'époque, et qui pratiquent le combat au sabre laser au sein d'une famille de geeks au grand cœur. Si la bataille finale du Retour du Jedi est sans conteste celle que je me suis le plus repassée en boucle, c'est l'épopée offerte par son prédécesseur qui a usé mes rétines plus que de raison. L'hostilité inquiétante de la planète Hoth. L'assaut implacable de l'Empire, la course-poursuite dans le champ d'astéroïdes, les leçons spirituelles de Dagobah, le crépuscule éternel de la Cité des Nuages. Jamais un Star Wars ne m'a paru aussi riche et fait autant rêver que l'Empire contre-attaque. Et s'il lui manque cette étincelle, cette soif d'aventure présente dans le premier film, il nous entraîne dans un rythme plus soutenu tout en prenant le temps de faire mijoter ses enjeux. Et ça de nos jours, on ne le répétera jamais assez. Si Luke Skywalker, fraîchement pourvu d'une tenue d'astropilote, parvient à intégrer un escadron de combat à la fin d'un nouvel espoir et à faire sauter l'étoile noire, cette suite prend le temps de nous faire comprendre que maîtriser les bases de la force demande un entraînement beaucoup plus intensif et introspectif. Luke essaie, échoue, perd pied et se décourage, comme le ferait la plupart des gens. Il entretient donc ce lien intime avec le spectateur, cultivant cette vision dont l'objectif est d'entretenir l'échelle humaine et humble du personnage principal. Et lorsqu'il succombe à ses sentiments pour aller sauver ses amis en dépit des avertissements de Yoda et d'Obi-Wan, il est loin d'être en mesure d'affronter les dangers qui l'attendent. Littéralement, puisque Vador fut chargé par l'Empereur d'attirer Luke et de le convertir. Arrivé sur place, Luke arpente une tour vidée de ses habitants, guidé vers l'inévitable confrontation. Sans itinéraire de repli, Luke comprend que son blaster est désormais inutile. La salle de congélation prend vie avec la terrifiante respiration de son ennemi. La force est avec toi, jeune Skywalker. Il est important de rappeler qu'à ce moment-là, Vador est un inconnu pour Luke. Un ancien Jedi traquant ses anciens alliés et les massacrant pour le compte de l'Empire, un général sans aucun autre lien d'affiliation. Voir cette scène de nos jours n'a pas la même signification qu'en 1980. Puisqu'à l'époque, personne ne se doutait de la révélation à venir. Si vous pratiquez un sport de combat, vous connaissez bien l'importance des premières secondes. Avoir conscience de son environnement sans quitter son adversaire des yeux. Le jauger. Appréhender son gabarit. Estimer son amplitude de mouvement. Lui offrir du terrain ou l'en priver. Tester sa combativité tout en ne s'exposant pas et sans dévoiler son propre jeu. Non, je m'en occupe tout seul. Non, Anakin, non ! Non ! Des secondes primordiales qui servent l'œuvre cinématographique, lui permettant de partager la tension avec le spectateur en lui laissant le temps, comme les personnages plongent dans un état de concentration, de s'approprier la scène, le décor, de se rappeler les enjeux posés plus tôt dans le film. L'Empire contre-attaque nous expose un tableau dénué de musique qui étoffera le panthéon des images les plus célèbres du 7e art. Il ne brusque rien, et ne nous jette pas de combats agrémentés de chorégraphies virevoltantes en pleine figure. Au lieu de cela, il laisse à ses personnages et aux spectateurs le temps de souffler entre chaque engagement, ponctuant le combat de dialogue impactant les protagonistes, provoquant leur sensibilité, mettant à mal leur concentration, sans jamais relâcher la tension pour autant. Les coups sont plus souvent portés que dans les combats de la prélogie,
visant directement l'adversaire au lieu de jouer sur les effets visuels pour dessiner des arabesques multicolores en simulant des mouvements compliqués. Quant à la post-logie, je pense qu'il n'est pas nécessaire de verser de l'huile sur le feu en essayant de décrire des techniques de combat qui voient le sabre originel manié comme une masse d'armes ou une hache à deux mains. Et c'est bien là tout l'héritage porté à l'écran par la trilogie originale. Les sabres laser sont les descendants du katana, maniés par les samouraïs de science-fiction que sont les Jedi. Par l'inspiration de George Lucas, le style de combat de ces derniers s'est naturellement tourné vers une dimension toute orientale, versée dans l'art de porter des coups nets, précis, économes, maîtrisés. La domination de Vador dans l'Empire contre-attaque se remarque dès le début du combat, dans sa manière de parer Luke. Quand celui-ci s'emballe un peu trop et bâcle ses mouvements, la punition est immédiate et son désarmement l'expose à une mort virtuelle. Vador, contrairement au spectateur, sait que Luke est son fils et se contente tout au long de la scène de jouer avec lui, de le pousser dans ses retranchements pour lui montrer ses limites, pour aiguillonner sa peur, pour affliger sa personnalité avec l'espoir qu'il se rende au moment où il sera le plus faible, meurtri et sous le choc. Le discours de Vador résonnera alors comme la plus assommante des révélations, exposant à son fils une réalité et des enjeux bien plus vastes qu'il pouvait se l'imaginer. Une leçon que Luke emportera avec lui en se jetant de désespoir dans le vide, entraînant avec lui un spectateur sans voix, témoin d'un échec sans précédent du héros de l'histoire, chutant au crépuscule du deuxième film de la trilogie. Alors pourquoi cette scène? Parce qu'au-delà d'être le twist ultime du cinéma, cette morale assénée au héros souligne d'un coup de maître l'importance de l'écriture des personnages. Comment imaginer que Luke puisse se remettre d'une amputation à la fois physique et mentale, coupé de ses racines originelles pour se retrouver prisonnier des liens épineux qui le relient au plus grand tyran de la galaxie? Cette remise en question est aussi profonde que ses enjeux sont redistribués. Le doute empale le héros et le spectateur à travers l'écran, renvoyés ensemble au pied de la montagne comme des enfants impatients. À ce moment, le nouvel espoir est balayé du paysage, ne laissant que des braises timides et incertaines pour seul guide dans une galaxie obscure.